L'unboxing de la banane premium de chez Lidl. Allez, c'est parti. Alors on y va. Alors comme vous pouvez voir, on est une très belle boîte. Hein. On voit que c'est manufacturé par des artisans de qualité. On peut voir que c'est très beau logo. Regardez ça. Waouh, est-ce que tu me fais un petit focus? Le petit focus. Attends, est-ce que j'arrive à faire le focus? Le petit focus. Wow. C'est beau. Est-ce qu'on voit bien? Oh, c'est nickel. Alors, vraiment très belle boîte. Hein. On voit que c'est assez solide quand même, hein, je veux dire. C'est bien. Hein. Je vais voir que t'as un petit peu en 3D. Ça tient quand même, hein. c'est pas n'importe quoi, franchement. C'est vraiment beau. Donc, on va ouvrir la banane. Donc, j'ai pris un économe pour éplucher le légume, hein, bien évidemment. Donc, on va l'ouvrir. On va voir le couvercle. Et, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est pas fantastique. Waouh, regardez ça. Regardez, en plus, il y a le logo de la boîte au fond. C'est quand même exceptionnel. Regardez, même le fond de la boîte est décoré. Genre, c'est magnifique. Regardez cette banane. Donc on peut voir qu'il y a noté Rainforest Alliance, donc c'est... Attends, c'est le petit focus... Le petit focus s'il te plaît. Donc ça veut dire c'est certifié de venir de la forêt des grenouilles. C'est une petite grenouille. C'est certification d'origine approuvée de la forêt des grenouilles en Colombie. Alors on peut voir qu'elle est jaune, un peu vert, tu vois, un peu bicolore comme ça, il y a des reflets verts. C'est vraiment assez... C'est atypique, hein. Franchement, waouh. Je pense qu'on va pouvoir éplucher un petit coup. On va tester ça, donc on va ouvrir cette banane. Elle s'accroche un peu sur l'étiquette, hein. Il serait plus facile, une étiquette plus facile à éplucher. On va passer de la boîte quand même. Donc, ouais, c'est... Ah, pour le moment, c'est content. Ah, c'est un peu dur à éplucher, hein. Ça marche pas super, super. C'est toujours un peu du mal à ouvrir les bananes, hein. Bon, c'est les risques du métier, c'est comme ça. Une fois qu'on en est là, on peut y aller à la main. Voilà. Donc, on va vraiment se goûter. T'en veux un bout, gros? Ouais. Mais qu'est-ce que tu nous ferais pas la dégustation? Qu'est-ce que t'en dis de ce saveur? Merde. Oh, c'est bon, mec, ça fait moins de 3 secondes. C'est bon. Je dirais un 8 sur 10, vraiment, c'est succulent. 9 sur 10, est-ce que tu peux m'en repasser un petit bout, s'il te plaît? Je te passe ça. C'est un peu banana. Elle est bien comme il faut. C'est incroyable. Par contre, je tiens à dire que les gars, vraiment, je vous conseille les bananes de chez Lidl, surtout les premium. Les bananes premium de chez Lidl. Vraiment, c'est monstrueux. Et n'oubliez pas le commentaire et le pouce bleu pour essayer de gagner une superbe banane premium. Tchou tchou bye bye les amis. On se retrouvera au prochain unboxing.